Aujourd'hui, on va essayer de voir les principes du dessin de l'ombre en Z pour traiter une scène dactylie simple. Là, on a une scène dactylie simple incomplète. Voilà. Donc, on va voir une petite astuce très simple. Donc, premier principe, il faut tracer les têtes métacarpiennes. Très bien. On va dessiner le lombo. Il existe plusieurs types de lombo. Il y a les lombos en U, les lombos en seagull, ce que je fais, seagull flap, et en gueule de seagull, là, l'oiseau de la mer. Et il y a le lombo, on peut transformer ce lombo en lombo, si on le continue comme ça. On va le transformer en lombo de transposition, en lombo d'avancement, en conservant sa vascularisation sur l'artère intermétacarpienne. Comme un lombo de cerf-volant, comme un lombo d'avancement. Mais là, si on a besoin, on a un manque de peau, on va le avancer. Donc là, on va faire cette partie. Très bien. Donc là, j'ai le choix entre faire le premier Z ulnaire ou radial. On va le faire. D'abord, je trace la moitié des doigts pour ne pas dépasser pour les lombos en Z. Donc là, je choisis de le faire ulnaire. Donc ce lombo ulnaire va venir couvrir l'index. Donc toujours, il faut favoriser le pouce et l'index dans la couverture des lombos. Parce que la pince utilise l'index et le pouce. Donc je favorise la couverture de l'index, comme ça si j'ai besoin de greffe, je greffe le troisième doigt, c'est pas grave. Là, l'astuce, pourquoi? Voilà, on allonge le sommet du Z vers la face palmaire. Et on va savoir pourquoi. Ici, c'est facile. On a déjà la limite du lombo de la commissure. Elle est déjà tracée. Parfois, c'est difficile lorsqu'il y a une scène dactylie complexe, mais là, on va tracer l'incision palmaire. Donc là, le jeune, des fois, il le fait intensément ou pas. Il fait un autre Z, mais il ne sait pas dans quel sens il le fait. Là, on a le sens. Donc là, on a le sens du Z dorsal. Le Z palmaire doit être dans le sens inverse du Z dorsal. Donc là, c'est une scène dactylie incomplète. Donc le Z doit être vers ce côté ulnaire ou radial. Doit être radial pour aller couvrir l'autre doigt. Donc là, je vais faire radial. Le sommet radial. Toujours je trace, donc le sommet va être radial. Voilà. C'est ça le principe. Tu fais, si c'était une scène dactylie totale, dans chaque sommet de Z, tu fais la correspondance avec la face palmaire et ton Z palmaire doit être dans le sens contraire. Donc là se termine notre sommet dorsal, le premier Z dorsal se termine ici. Ton sommet palmaire, si on regarde ça, c'est faux. Doit être le Z. Il voit le côté ulnaire. Donc je fais le traçage pour montrer le sommet du Z dorsal. Il est là le sommet du Z dorsal. Donc le lombo en Z palmaire doit être dans l'autre sens, côté radial. Le sommet, il est là. Dans l'autre, et l'autre sommet doit être absolument dans le même niveau. Parce que quand tu as une scène dactylie totale, où les doigts sont trop la 4Z. Donc, ils doivent être symétriques, la taille, et contraires, opposés, les sommets. Comment tu le sais? Tu dois allonger, tu dois toujours prolonger. Est-ce que c'est clair, même? Très bien.